petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce qui arrive vers vous. Mais je tenais encore à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre gentillesse, votre amour que vous m'envoyez au quotidien à travers vos messages, vos commentaires. Je suis tellement heureuse d'avoir créé cette chaîne, vous imaginez même pas les amis. Merci en tout cas d'être là, de partager autour de vous également. C'est un réel bonheur et je vous en remercie. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis thérapeute de l'âme. J'utilise les oracles lors de mes séances pour vous aider à enlever certains blocages, à vous retrouver vous, retrouver votre guidance intérieure, retrouver votre énergie, plein de choses. Vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur mon site internet www.aurélie-bernardi-psy.fr. Voilà, je le fais rarement, mais ce que vous voyez ici sur YouTube, ça fait partie de mon travail puisque je fais la même chose en thérapie individuelle pour aller voir en fait tout ce que votre âme a à dire voilà, je vous le transmets à travers mes oracles, tout simplement à travers mes ressentis, mon canal médiumnique, etc., etc. Voilà, je vous dis ça parce que je reçois beaucoup de messages me demandant ce que je fais, donc voilà, c'est fait, voilà les amis. Donc, bienvenue à vous, aux nouveaux arrivants et puis à ceux qui sont là depuis le début. Je vous embrasse tous très fort du fond du cœur. Et puis, je tenais à remercier aussi Katia qui m'a fait, qui fait de très très belles peintures et qui nous a envoyé à Yannick et à moi cette peinture en mini format que vous pouvez retrouver sur son site internet qui s'appelle Les Phénix, voilà. Elle s'appelle Katia et elle fait de très belles peintures d'âme. Vous pouvez aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos où ça s'affichera à l'écran. En tout cas, je te remercie Katia parce que c'est juste magnifique. Et ça représente le féminin et le masculin sacré. Et comme elle nous a dit à Yannick et à moi, ça nous représente totalement. Et je te remercie Katia parce que c'est juste magnifique, voilà. Et je tenais à le mettre ici avec nous pour de belles énergies, pour nous apporter de très belles énergies et puis pour vous montrer en fait son magnifique travail et que vous pouvez aller regarder justement sur son site ce qu'elle propose. Là, c'est des mini-formats, voilà, pour des petits budgets. Mais elle fait aussi des peintures en grand format, voilà. Donc, un gros bisou Katia. Je te remercie. Alors les amis, on va regarder une guidance pour savoir ce qui arrive vers vous. Donc, je n'ai pas fait de choix comme d'habitude. Donc, je vais mettre deux cartes de l'oracle Everyday Enchantment. Et comme ça, vous pourrez mettre sur pause et faire le choix entre deux cartes. On a déjà une carte. Et il me faut une deuxième carte. Voilà, une deuxième carte. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Les amis, c'est un moment pour vous. Allez. C'est le principal. No stress. Allez, on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et on va voir ce qui arrive vers vous, les amis. Allez, on va regarder la carte. Alors, ok, on a le Knight of Coins. Le Knight of Coins. Hop, je sais pas si vous allez voir les amis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, j'ai l'impression ici, alors sachez que je ne suis pas tarologue, que j'utilise les tarots vraiment à mon ressenti.
Donc s'il y a des tarologues qui me regardent, ne vous arrachez pas les cheveux, c'est ma façon de procéder, de faire. Les cartes sont pour moi des portes, comme je dis toujours, énergétiques, et je ressens des choses, j'entends des choses, et c'est comme ça que je fonctionne. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez fait du nettoyage dans votre vie, hein. Pas mal de nettoyage. Il y a peut-être des personnes ici qui vous voient changer, j'entends, qui n'en reviennent pas de comment vous vous êtes transformé. Et il y a comme une stupéfaction en fait. Je sens des gens autour de vous, des personnes autour de vous qui sont stupéfaites de vous voir aussi changer. Vous avez aussi changé de comportement avec certaines personnes. C'est-à-dire que vous ne vous laissez plus faire. Et c'est pas parce qu'on va vous offrir quelque chose en particulier que vous allez changer votre comportement. Il y a ici comme le fait d'avoir fait le tri, le ménage. Dans des situations autour de vous ou dans vos relations. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette carte. Pour d'autres, c'est bizarre ce que j'entends, mais vous avez réussi ici à obtenir, vous allez réussir à obtenir une promotion, quelque chose en particulier, une réussite, et ça va se voir. Et pour certains, vos voisins vont vous observer et vont se dire, mais ils seront en mode observation, à se dire, mais comment elle a fait, comment il a fait pour avoir ça. Donc ça, c'est pour des personnes en particulier. Pour d'autres, c'est vraiment la famille, les personnes autour de vous qui n'en reviennent pas du changement qui a été fait, en fait, sur vous, en fait. Hein. Vous avez fait un énorme travail, que ce soit à travers votre profession ou un travail intérieur, mais vous n'êtes plus la même personne. Ou vous n'allez plus être la même personne. J'ai vraiment cette sensation avec cette carte. Pendant que d'autres personnes faisaient leur petit truc là, à côté, eh bien vous atteliez à la tâche en fait. C'est ce que j'entends. Vous vous êtes attelé à la tâche dans une situation. Vous avez mis de votre énergie. Et je vois ici que on vous a... l'univers vous a soutenu dans un projet en particulier. Et vous a soutenu dans ce travail sur soi ou par rapport à un projet. Il y a quelque chose comme ça. Et ça se voit. Et ça se ressent. Et les gens le ressentent. C'est vraiment ce que je vois. Et ils n'en reviennent pas. Il y a quelque chose comme ça. Ils n'en reviennent pas. Je vais quand même regarder le dos de deck pour voir ce qui se passe ici. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est bien ça. C'est peut-être par rapport à la famille ici. Ou à des personnes de la famille. Ou par rapport à votre famille. Votre propre famille. On parle ici aussi d'un roi de coupe. Donc... ici, je pense que vous avez fait un travail au niveau émotionnel. Il y a des choses qui ne vous atteignent plus comme avant. Et vous ne jonglez plus dans des situations. Il y a quelque chose comme ça. Et ça se voit. Soit par des membres de votre famille ou des amis ou je ne sais quoi, des personnes de votre entourage. Ou un homme ici, un roi de coupe d'un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Ou d'une énergie féminine, d'une femme avec des polarités masculines ici, de signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Et j'ai l'impression que vous vous offrez des choses à vous-même aussi. Je pense que vous vous offrez des cadeaux aussi, vous allez vous offrir des cadeaux et il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Mais c'est parce que vous avez appris et que maintenant vous vous donnez à vous-même, c'est ça.
vous êtes votre propre priorité, j'entends. Il y a des choses qui deviennent prioritaires dans votre vie et vous ne vous laissez plus perturber. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Perturber par des énergies extérieures. Ouais. Même vos guides, ils sont surpris. Enfin, surpris. Ils voient votre évolution, en fait. On sent que vous êtes concentré dans une tâche aussi. Pour certaines personnes, vous êtes concentré dans un projet ou à la réalisation d'un projet ici. Et ça se voit. Alors, on a la carte ici. La concentration, la dispersion. C'est bien ce que j'étais en train de vous le dire. C'est quand même incroyable, les amis. La concentration, la dispersion. Vous savez bien ce que je dis. Maintenant, vous restez concentré sur vos objectifs. En ce moment même, vous êtes concentré sur vos objectifs et vous ne vous laissez pas disperser par des énergies qui ne, comment vous dire, qui ne rentrent pas en fait dans votre évolution. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Je pense que vous avez compris qu'il fallait se concentrer sur un objectif à la fois. Et ça va payer, les amis. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va payer. Parce que vous avez fait un choix. Vous avez appris. Il y a une compréhension ici. Avant, on me dit, avant, vous vous dispersiez dans vos énergies. Vous faisiez peut-être tout un tas d'activités où vous perdiez de l'énergie. Où vous vous perdiez vous-même. Vous en perdiez le nord. Peut-être à vouloir ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Hein. Peut-être à vouloir concilier tout en même temps. Et ça vous a égaré. C'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. Maintenant, vous vous concentrez, c'est bien ce que j'ai dit depuis le début, sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur votre évolution personnelle. Peut-être que ça va déranger certaines personnes, on me dit. N'écoutez pas, d'accord? Il y a probablement des gens qui vont, comme toujours, hein, voyez les amis, quand des gens voient que vous changez, que vous évoluez, que vous n'êtes plus la même personne, eh bien, certains, ça ne leur convient pas. D'autres, oui, c'est ok. C'est super. Hein. Il y a toujours des personnes positives comme ça. Mais il y a aussi des personnes, je vois ici, qui vont, vous voyez, être un peu sarcastiques, un peu essayer de vous déconcentrer. On vous dit, ne perdez pas votre concentration parce que vous êtes bien parti. D'accord? Et ne vous dispersez pas. Parce que ici on parle aussi de s'égarer en plein océan. Ça me fait penser que c'est aussi se perdre dans ses émotions. À vouloir trop écouter les uns et les autres, eh bien ça vous plonge dans un océan d'émotions ici. Et vous vous égariez. Aujourd'hui, vous ne vous égarez plus. Parce que vous vous concentrez, ou vous allez vous concentrer sur un objectif. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit, concentrez-vous sur un objectif à la fois, les amis. Ne vous dispersez pas. Allez, on continue. On va regarder maintenant, je vais rajouter encore une énergie ici pour voir actuellement ce qui se passe, avec les cartes positives de Sandra Marinelli. Que vous pouvez retrouver sur son site internet et je pense dans sa boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, et après on ira regarder ce qui arrive vers vous.
Alors, c'est ça. Mon bonheur ne dépend que de moi. Mon bonheur ne dépend que de moi. Je ne sais pas si vous voyez les amis, parce que je n'ai pas de retour caméra. J'apprends à m'écouter, je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. C'est bien ce que je vous dis. D'accord ? Vous ne vous laissez plus perturber par des énergies extérieures à vous. J'entendais vraiment des... Comment vous dire ? Un brouhaha mental, quoi. Ou des personnes qui voulaient s'incruster, en fait, s'immiscer, ou une personne en particulier qui voulait s'immiscer dans ce que vous faites. Parce qu'apparemment, vous le faites bien. D'accord ? Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici, ou des personnes qui voulaient vous déconcentrer. Parce que vous n'êtes pas focalisé sur cette personne, ou ces personnes, ou... ouais, c'est un truc comme ça. Ou vous mettiez aussi peut-être votre bonheur dans les mains de quelqu'un ou d'autres personnes. Ou une situation extérieure. Ou à des... Ouais, c'est peut-être pour ça que vous en faisiez trop, peut-être. Trop. Il y a peut-être une sorte ici de sortir d'une dépendance affective. Ouais. Terminé. Pour certaines personnes, on parle vraiment de dépendance affective. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Et cette, on va dire, ce projet, ce sur quoi vous êtes concentré, va porter ses fruits ici. Parce qu'on a le roi... c'est ça, hein, le roi de deniers. Donc ça va porter ses fruits. Allez, on va regarder maintenant ce qui arrive vers vous, les amis. Toujours pareil avec le Everyday Enchantment. Le tarot. Vous vous concentrez sur vos besoins sincères et profonds maintenant. Vous ne tergiversez plus. Alors, oui, il y a dû avoir des conflits, hein, peut-être avec certaines personnes ou une personne. Hein. Alors, ce qui arrive vers vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors là, il y en a deux, les amis. Mais on voit que c'est la fin. J'ai vu le premier, c'est la fin d'une sorte de dépression ou de d'isolement. Il y a quelque chose qui vous a peut-être isolé pendant un moment et c'est la fin. Ça me fait penser à la guidance précédente que vous pouvez voir. Waouh. Une réussite, les amis. On a le 6 de bâton, là. Le 6 de bâton. Ce qui arrive vers vous, c'est la réussite, je vous l'ai dit, parce que vous avez mis énormément d'énergie dans un projet, dans quelque chose. Et regardez-moi en dos de deck, le soleil, l'accomplissement, si c'est pas merveilleux ça. Et vous allez être applaudi, vous allez être félicité par d'autres personnes. Pas ces personnes ici qui vous regardaient un petit peu de... peut-être un peu de haut, je ne sais quoi, ou... ouais. Peut-être que pour certaines personnes, on parle de sport, que vous avez travaillé sur votre corps, qu'il y a quelque chose comme ça, que vous avez... il y a quelque chose que vous avez mis en place au niveau du... de votre façon de travailler votre corps pour certaines personnes. Au niveau du sport. Pour d'autres personnes, je vois que... peut-être que vous avez été immobilisé par rapport à un membre de votre corps. Et grâce à votre concentration, au travail que vous avez fait sur vous, ben, votre corps va, il va y avoir une victoire. Plus ça va aller, plus vous allez retrouver de l'énergie ici avec le soleil, les amis. Après le pendu, je vous l'ai dit, une période d'immobilisation. Vous avez été immobilisé, mais où vous avez été obligé de voir les choses
d'un nouvel angle ici. Ça vous a permis en fait de voir les choses différemment. Il y a peut-être des personnes ici qui ne comprenaient pas en fait votre comportement, hein, je vous l'ai dit, ou qui ne comprenaient pas votre façon de faire ou la direction que vous avez voulu prendre ici. Ce que j'entends pour certains, c'est que vous ne vouliez que la paix. La paix. Voilà. Que ça vous apporte la paix. Et je pense que cette période où vous êtes immobilisé, où il y a eu une attente ou un repos, ou quelque chose en lien au corps aussi, hein, ou à la restructuration, ou à l'apaisement ici, va vous permettre de trouver cette paix intérieure. C'est ça qui arrive vers vous, les amis. Et il y a peut-être des personnes ici autour de vous qui ne comprenaient pas. Ou... Mais vous vous en foutiez, en fait. J'entends, je m'en foutais royalement. Moi, je voulais atteindre mon objectif et je veux atteindre mon objectif. Donc, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Ni les moqueries, ni les blablabla, non, rien. Et il y a un nouveau départ avec l'as de bâton. C'est extraordinaire, les amis, l'as de bâton. Il y a vraiment un nouveau projet qui prend forme ici. Peut-être à travers ici un projet créatif, d'accord, dans lequel vous avez mis énormément de travail. Et on voit bien ici le soleil. Hein. On voit bien le soleil ici qui est ici justement, qui va éclairer la situation. Et je sens un sentiment de liberté. Parce qu'ici, il y a le cheval, il y a l'aigle. Vous allez mettre en place ici quelque chose en lien avec... votre créativité. Ici, on parle d'écriture, de peinture, tout un tas de choses. Donc, vous allez mettre quelque chose dans la matière. Et c'est une réussite. C'est énorme, les amis. Après une énorme transformation, là. Une grande transformation. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en vous. D'accord ? Ces personnes-là qui vous observent aujourd'hui ou qui vont vous observer en train... Peut-être que vous avez travaillé dur et que ça se voyait. Parce que vous avez fait le tri, je vous l'ai dit, vous avez fait le ménage autour de vous. Et il y a des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi vous leur avez fermé la porte, j'entends. Mais vous avez fermé la porte pour avoir cette réussite. Parce que c'était trop malsain, trop... envahissant, trop polluant, une ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais vous aviez besoin de ce temps d'introspection ici pour voir les choses différemment et vous diriger vers le soleil, l'accomplissement. Et ici, avec le 6 de bâton, la réussite. Et ce bonheur ne dépend que de vous. C'est vous qui avez mis l'énergie dedans. C'est vous qui avez donné de votre temps. Ça part de vous. Parce que vous vous êtes concentré sur un projet. Et ça, c'est génial, les amis. Au niveau du corps aussi, hein. Ou au niveau des rituels que vous avez mis en place dans votre quotidien, j'entends, c'est un rapport avec le quotidien. Tout ce que vous avez mis en place, jour après jour, va porter ses fruits ici. On a le dossard numéro 6, ça peut vous parler, le choix, après un choix. Pour certains, je vois vraiment une promotion où on va reconnaître vos compétences dans un domaine. Grâce à votre motivation.
et on a eu beau vous mettre des bâtons dans les roues ou il y ait peut-être des blocages ici, hein, ou que vous ou peut-être ça vous a mis la tête à l'envers là, ça, il y a quelque chose qui vous a mis vraiment la tête à l'envers, qui vous a stoppé, qui vous a peut-être mis la rage ici pour certains. Ouais. Vous êtes peut-être passé par plusieurs émotions ici, l'incompréhension, la rage, la stupéfaction, ou c'est peut-être vous qui avez vécu ça avant cette réussite pour trouver en vous les ressources, ou alors ce sont des personnes autour de vous qui regardent et qui voient ça en fait. Et ils sont complètement perdus, les amis. Ils ne comprennent pas. Mais écoutez, c'est leur problème, hein. C'est pas le vôtre, hein. Vous êtes pas laissé disperser, en fait. On va regarder ici le Knight of Coins. Le Knight of Coins. Qu'est-ce qu'on dit ici? Alors. Alors, on a la sororité de la rose. La sororité de la rose, ici. Donc, pour certaines personnes, on parle d'enseignement. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. On vous a enseigné. Peut-être que vous avez suivi une formation ici, ou que vous allez suivre une formation qui va porter ses fruits, mes amis. Ou c'est vous qui allez enseigner à d'autres personnes et on va voir en fait votre évolution et vous allez, mais alors, sidérer des gens ici. Je ne sais pas qui vous êtes, les amis, mais je sens que vous allez leur clouer le bec, clairement. On parle de dévotion, hein. Vous êtes dévoué dans dans ce que vous faites. On sent ici que ça, vous êtes guidé par le cœur. D'accord? Vous êtes guidé par le cœur. Et en dos de deck, on a fait confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ici, vous avez dépassé une peur, clairement. Vous avez fait confiance en votre chemin. Ça n'a pas été évident, mais ici, vous voyez, vous allez passer cette porte-là. Vous allez la passer, cette porte. Il y a une nouvelle étape dans votre vie, là. J'entends suivre des enseignements aussi. Parce que vous avez suivi vos propres enseignements aussi, pour certains. Vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre cœur. Et même si ça ne plaisait pas autour de vous, ben ça paye. C'est ce qu'on me dit, ça paye. Et ça va payer. Alors, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, le grand saut. Waouh! Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si ça zoome, les amis. Le grand saut. Sur le 6 de bâton, c'est-à-dire la réussite. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Waouh! Vous avez décidé de faire confiance à l'univers. Et vous allez le faire, parce que c'est ce qui arrive vers vous. Vous allez faire ce grand pas, ce grand saut vers l'inconnu, peut-être, vers quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Après des enseignements, après peut-être un temps où vous êtes resté au bord de la falaise ici, avec des phases de pleine lune qui vous ont complètement chamboulé ou alors qui vous ont enseigné aussi au niveau émotionnel. Et ce grand saut va être une réussite. Donc, si vous êtes ici encore en train de travailler à votre projet, etc., et si vous vous dites, est-ce que mon projet va réussir? Est-ce que le fait que je m'implique dans une situation va réussir? On vous dit que oui. Parce que vous avez fait confiance à l'univers. Vous vous êtes
détaché ici de quelque chose et vous sautez. Et c'est ça qui vous apporte la réussite. Et en dos de deck, on a la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Ici, je vous l'ai dit, au niveau du corps, il y a des transformations, une guérison rapide ici parce qu'on a les bâtons. Donc après une période de travail sur soi, peut-être à faire des exercices au niveau corporel, de la rééducation, j'entends aussi pour certaines personnes, vous êtes rééduqué au niveau de votre corps, d'un membre, ou tout simplement vous avez mis des choses en place au quotidien qui ont fait que vous vous êtes transformé. Et du coup, les choses changent autour de vous, la vibration change autour de vous, votre vibration change, mais tout autour de vous aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des personnes ici qui ne comprennent pas. Mais ça, c'est pas votre problème, les amis. Vous, on voit qu'il y a une belle transformation là. Et ça, c'est le plus important. On va regarder ici le pendu. Alors, le pendu, on a la carte protection. Protection. Ici. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens. Oui, c'est ça les amis. Ici avec le pendu, on voit que vous avez su couper des liens avec des personnes. Parce qu'il y avait des personnes toxiques pour vous, je vous l'ai dit, ou des situations qui ne vous convenaient plus. Vous êtes protégé contre certaines personnes. Vous avez fait le ménage. Vous avez dit stop. Il y a même peut-être eu un recouvrement d'âme ici. Vous avez retrouvé tous vos morceaux d'âme là, qui étaient un petit peu éparpillés. Hein. Et c'est ainsi que vous retrouvez votre pouvoir personnel. Alors, on va regarder The Sun. Je ne sais pas si on voit toutes les cartes, parce que je ne vois pas le retour caméra. Alors, The Sun... C'est pas retourné. Répondez à l'appel. Wow, cette carte, elle me rappelle un oracle. Répondez à l'appel, The Sun. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et là, clairement, elle vous appelle à faire ce qui vous rend heureux, heureuse ici, qui vous fait sentir accompli avec le soleil. D'accord? Et c'est le fait de répondre à l'appel de votre âme. Quelque chose qui vous passionne ici, qui vous mènera vers encore le papillon ici, la transformation, l'accomplissement. Vous allez peut-être recevoir un appel justement, qui vous dira que vous avez réussi, que vous avez réussi quelque chose, réussi votre formation, réussi... peut-être une compétition hein, pour certains ici, peut-être on parle de compétition, de sport, de course après avoir travaillé dur ici, vous allez peut-être vous lancer dans une compétition au niveau de compétition sportive ou quelque chose comme ça que vous allez gagner. Pour d'autres c'est vraiment ouais, comme je vous ai dit, au niveau du corps, il y a quelque chose qui va guérir ici. Et pour d'autres, c'est un projet qui prend forme. Et on va vous appeler. On va vous dire que vous avez réussi une étape, réussi un projet. Yes! Yes, yes, yes! Yes, les amis! On va recouvrir un petit peu plus. Alors, le Knight of Coins.
Alors, le silence. Oui, alors peut-être que vous avez gardé un projet sous silence, vous en avez parlé à personne, ou vous êtes resté dans le silence par rapport à une personne aussi, parce que je le vois. D'accord? Et ça vous a enseigné des choses. Ou c'est une personne en face de vous qui est restée dans le silence et qui vous a enseigné du coup des choses. Mais je pense aussi que vous avez gardé un projet sous silence et que là, ça va réussir. Qu'on voit, on commence à voir les résultats. Il y a des personnes autour de vous qui commencent à voir les résultats. Que ce soit, comme je vous ai dit, un travail intérieur ou par rapport à un projet. Ça a été la solution, en fait, pour le bon déroulement des choses. C'est ce que j'entends ici, parce qu'on a le 4. Donc ce silence a été bénéfique, si ça vous parle. Quelque chose que vous avez gardé sous silence, ou vous avez vécu du silence, vous avez fait les choses en silence, en profondeur, et ça va payer. Le 6 de bâton. Ce qui arrive vers vous. 6 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fuite. Je vais poser une autre carte sur cette carte ici de la fuite. Il y a peut-être eu des fuites énergétiques, c'est ce que j'entends ici, au niveau du corps. Ces énergies-là que vous avez chassées, les liens que vous avez coupés, vous causez des fuites énergétiques. Donc vous avez coupé avec ces énergies. Et du coup, vous allez récupérer votre énergie ici. Il y a quelque chose qui vous causait des fuites énergétiques. Je vais la recouvrir, les amis. La fuite. Ouais, c'est ça, la puissance. La puissance. Et là, vous allez retrouver, je vous l'ai dit, votre puissance, votre énergie. Il y a quelque chose qui était fuyant. Mais au niveau de des énergies là, c'est énergétique que je ressens, d'accord? Et le fait de faire le grand saut, de prendre une nouvelle direction ici et d'assumer ce que vous faites, va faire en sorte que cette fuite énergétique soit colmatée, finie. Pas pour rien qu'il y avait la protection là. Ouais, il y a les limites qui voulaient sortir. Vous avez mis des limites là. Hein. Protection, limite. On voit, c'est le même signe. C'est fou, hein? Regardez les amis, la croix ici et la croix avec les bras. Vous avez mis des limites ici. Ou alors vous vous êtes senti limité ici avec le pendu. Il y a eu du silence, mais à travers cette limitation et ce silence, eh bien, vous vous êtes retrouvé. Et aujourd'hui, vous vous affirmez. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Aujourd'hui, vous vous affirmez, hein. C'est, je pose des limites, je m'affirme. Je ne me laisse plus faire. Terminé. Grand ménage. On va regarder le soleil. Le soleil, les amis. On a quoi? Priorité. Répondez à l'appel, c'est ça. Maintenant, vous suivez vos priorités ici. Ceux qui vous mènent vers l'accomplissement, le bonheur, la joie. Vous répondez à l'appel de la joie. C'est tout ce qui compte maintenant. C'est tout. Vous connaissez maintenant vos priorités. Comme je vous ai dit, vous ne vous éparpillez plus, vous restez concentré, il n'y a plus de dispersion. Dispersion, ça veut dire aussi, j'avais pas vu, dispersion énergétique.
vous dispersez. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous rentrez dans le flow. Vous vous battez plus contre le temps ni contre personne. Vous êtes dans le flow. Le flow, les amis. Allez, on va regarder un petit peu plus. Je vais enlever ces cartes-là pour voir ce qui arrive vers vous avec d'autres cartes. On va garder le roi de deniers. Et on va regarder ici, avec quoi on va regarder? Avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, dis donc, j'ai même pas demandé encore. Ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. Ce qui arrive vers vous. Alors, on me dit de brasser encore. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas. Arrive vers vous. Choix numéro 1. Alors, les gardiennes de la joie. Je vous l'ai pas dit, la joie? Que vous allez être en joie, que vous allez célébrer quelque chose? Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Vous avez fait un gros travail sur vous pour accueillir le moment présent en conscience, et c'est pour ça que maintenant la joie elle revient. Mais ce travail il vient vraiment de vous, c'est vous qui vous l'accordez ici. Avec mon bonheur ne dépend que de moi, vous avez su écouter vos propres besoins et vous vous dirigez vers la joie. Le vin, c'est le jugement, c'est la renaissance. Qui arrive vers vous. Waouh, la renaissance du phénix. Waouh, les amis, c'est génial. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Vous vous êtes dépassé. Vous avez de nouvelles compréhensions. Vous raisonnez avec un peu plus de sagesse. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Que ces personnes autour de vous disent quoi que ce soit, en fait, aujourd'hui, vous n'en avez rien à faire. Il y a des choses qui vous passent complètement au-dessus. Ça ne vous atteint même plus. Je dois le dire, certaines personnes. Vous renaissez de vos cendres, tel un phénix, les amis. Après, peut-être être resté dans votre carcan, dans votre protection ici. Il y a quelque chose avec les émotions et puis peut-être que vous vous êtes senti humilié, touché, atteinte par quelque chose, mais ça vous a propulsé vers l'avant, ou ça doit vous propulser vers l'avant, mais je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Plongeoir, il y a Véné. Donc vous allez vraiment plonger. Hein. Vous allez étonner. Vous allez être étonné déjà par vous-même. Vous allez être stupéfait, stupéfaite par ce que vous allez accomplir. Et je vois des gens autour de vous qui. Vous n'avez même pas idée. Hein, ce qui arrive vers vous. Choix numéro 1. Regardez ça. Regardez ça!
et l'action. La guérison, le 8, le karma. Donc il y a bien peut-être une situation karmique ici qui prend fin. Une guérison au niveau émotionnel, au niveau du corps, on l'a vu tout à l'heure. Ici on a la lettre C, ça peut vous parler. Et maintenant vous passez à l'action. Et on parle de créativité, encore une fois, de créativité, les amis. Dans un projet créatif, vous passez à l'action. Vous n'avez pas peur d'y aller. Vous mettez des choses en place ici. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Guérison au niveau du karma, je ressens là. Un équilibre retrouvé. Qui vous mène vers des énergies de joie. Et le soleil, on l'a vu tout à l'heure, l'accomplissement, hein. C'est pas rien. Hein. Hop. Alors. Ce qui arrive vers vous, les petits chamans. Alors, le temps à l'envers. Donc ici, on ne perd plus de temps, on y va, c'est ce que j'entends. C'est, il y a un arrêt, un stop, quelque chose qui vous a... qui vous a mis sur pause et qui prend fin ici. Parce qu'elle était à l'envers. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite. Donc ici, vous avez le temps, en fait, s'est écoulé. C'est comme si on me dit qu'ici, votre patience va payer. D'accord, les amis? C'est vraiment ça que j'entends. 41, le 5, c'est le changement. Je vois des personnes aussi qui étaient immobilisées dans un lit d'hôpital ou quelque chose comme ça par rapport à quelque chose au corps, mais ça prend fin, les amis. Vous avez été patient, la guérison est là, vous renaissez de vos cendres. Mais c'est aussi grâce à vous parce que vous avez accepté quelque chose, on me dit. Et vous avez travaillé dur sur vous. Vous avez cru en vous, voilà. Vous êtes concentré sur un but. Et ça va payer. Alors, ce qui arrive vers vous. Choix numéro 1. Ce qui arrive vers vous, choix numéro 1. Ouh, la magie. Waouh. On a la carte ici. On a encore dans les tons verts de la tempérance. C'est aussi la carte de la guérison, hein, pour moi. Et elle est magnifique cette carte. Elle est juste magnifique. La magie. Manifester le divin et spiritualiser la matière. Donc ici, grâce à votre travail, grâce à votre parcours spirituel, j'ai envie de dire aussi, il y a quelque chose qui se met dans la matière. Votre parcours n'a pas été de tout repos. Hein. D'accord ? Je le sens dans l'énergie. Vous avez travaillé dur. Vous avez peut-être eu affaire à des énergies extérieures qui n'étaient pas évidentes, mais vous ne vous êtes pas laissé faire. Et c'est ça qui est reconnu. Et surtout, maintenant, vous vous dirigez vers quelque chose qui est dicté, un projet, quelque chose qui est dicté par votre âme. L'âme agit, la magie. Et c'est ça la différence. L'énergie n'est plus la même, la vibration n'est plus la même, les amis. Alors,
ce qui arrive vers vous. Choix numéro 1. Alors, on a une carte qui est sortie ici. S'harmoniser pour se connecter. S'harmoniser pour se connecter. Il y a des personnes ici qui vont commencer à écrire un livre, à écrire quelque chose, à écrire un projet, s'exprimer, créer. Vous allez être inspiré, trouver l'inspiration. Vous allez peut-être inspirer des gens ici. Ouais. Clairement. Et ici, on vous dit communication non verbale, intuition, message. Donc, c'est bien ce que je dis. On a vu la carte du silence tout à l'heure. D'accord ? Il y a une période où vous avez eu, avec le pendu, du silence. On l'a vu ici. Mais ce silence a permis de vous reconnecter à vous-même et d'harmoniser vos énergies. Vous avez pu écouter votre intuition. Et si vous êtes encore dedans, on vous dit écoutez votre intuition. Même s'il y a du silence, c'est à travers le silence qu'il y a des choses qui se passent ici, que la guérison se passe. Vous avez fait silence, mais vous avez reçu des messages de l'au-delà, des messages de vos guides, des messages ici qui vous ont permis de continuer votre route, des synchronicités, des messages, peut-être j'entends galactiques, des messages de votre communauté d'âme ici, d'accord, puisqu'on est tous connectés. Donc il y a eu comme un appel, si on l'a vu tout à l'heure, un appel de votre âme qui vous poussait à aller plus loin, à vous investir dans quelque chose. Si c'est dans une relation où il y a eu du silence et dans ce silence vous avez travaillé dur, d'accord, vous vous êtes connecté à votre intuition. Tout à l'heure je voyais de la dépendance affective qui est guérie aussi. Ça peut vous parler ici. C'est comme si votre âme, elle vous parlait, vous vous êtes connecté à travers votre âme. Ça a pris du temps, mais ça paye, mes amis. Parce que votre bonheur ne dépend que de vous, et vous le savez maintenant. Vous ne laissez plus ce pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Non. Vous savez maintenant que ça part de vous. Que c'est vous qui impulsez l'énergie. C'est vous. Allez, on va finir par une carte de méditation et affirmation, 64 cartes pour éveiller votre esprit de Deepak Chopra. Et on va tirer une carte. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Message pour le choix numéro 1. Hop, et bien il a cité de suite. Alors, on a la carte. Votre âme est dynamique, votre âme est créative. On a encore cet esprit créatif, hein, et de l'âme ici, ou la magie. Il y a quelque chose qui se met en place au niveau créatif. Et vous allez reprendre du dynamisme ici. Parce que votre âme, elle a besoin ici d'explorer des choses, de vivre des choses. D'accord ? Et même si vous vous êtes senti limité aujourd'hui, il va y avoir une autre énergie. Je m'ouvre à une vie d'aventure, voilà, et d'exploration. Je mène une vie de découverte et de transformation personnelle. Je pense ici que vous allez vous ouvrir à une nouvelle aventure, une nouvelle exploration. Il y a quelque chose qui commence pour vous, hein, sur de nouvelles bases, sur de nouvelles énergies. Et vous allez vers des belles découvertes et des transformations encore personnelles, encore plus belles, les amis. Voilà.
Eh bien, écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, à partager autour de vous. C'est important. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté. Coucou les amis du choix numéro 2, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ici les messages pour vous. On va regarder ce qui arrive vers vous. Déjà, on va regarder peut-être l'énergie ici dans laquelle vous êtes actuellement. Et au fur et à mesure, regardez vers où vous vous dirigez. Enfin, surtout ce qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. Ok. Alors ici, on a le 4 d'épée, les amis. Voilà, le 4 d'épée. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas tarologue, que j'utilise les cartes, que ce soit les oracles ou les tarots, en fonction de mes ressentis, de ce que j'entends par clairaudience et par mes capacités médiumniques. Voilà. Alors, je vais me concentrer sur votre énergie déjà. Alors, ici, j'ai l'impression que vous êtes en temps de pause ou que vous avez mis quelque chose sur pause. Là. Ouais. Mais pendant ce temps de pause, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. On voit ce personnage là qui fixe quelque chose. Qui sent, alors vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être que vous ne savez pas quoi. Ici, on voit bien qu'il y a des feuilles automnales, des feuilles qui tombent. Donc, on est bien dans la période de l'automne. Il y a quelque chose qui se dépouille. Vous vous dépouillez, en fait. De tout ce qui ne vous convient plus. J'ai cette idée-là, ici. Vous avez posé les outils à terre. Donc, ouais, c'est comme si vous avez stoppé une situation ou que vous avez mis une situation vous-même sur pause. Je ne vous vois pas subir cette pause ici parce que ce personnage, il est quand même assez zen. Mais bon, vous pouvez le vivre aussi d'une façon pas cool, quoi. Ça dépendra des personnes ici. Mais il y a quelque chose qui couve durant ce... J'entends silence aussi, hein? Silence intérieur. Il y a quelque chose qui couve, qui va sortir de tout ça. Peut-être que vous allez au fond de vos racines là. Il y a quelque chose qui est en train de travailler au fin fond de vos racines à vous. Peut-être que certains, vous avez vraiment besoin de repos et du coup, vous êtes... ouais. Pour certains, vous prenez la retraite, j'entends. Vous prenez la retraite et j'entends que vous avez peur pour vos... Certaines personnes ont peur pour leur budget, etc. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, d'accord? C'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. Pour d'autres, ce repos est nécessaire. Et va vous faire énormément de bien. Peut-être que vous le voyez, peut-être que vous ne le voyez pas. Mais il y a des choses dont vous vous dépouillez là, clairement. Donc ça, c'est les énergies actuelles, les amis. On va continuer. Pour d'autres personnes, vous avez travaillé sur une situation et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous aviez perdu de l'énergie, donc vous avez stoppé. Vous avez dit stop. On arrête là. Je n'ai pas demandé. On arrête là. On met sur pause. Parce que peut-être ça vous a saoulé. Ça, c'est pour d'autres personnes.
vos chaussures, vous avez mis vos chaussures sur le côté là, comme si vous ne vouliez pas agir sur une situation. Vous avez vous laissez mûrir les choses, peut-être aussi. Vous laissez mûrir les choses, hein, c'est possible. Vous attendez que quelque chose arrive à maturation. Donc pour certaines personnes, vous avez provoqué un silence, les amis. Je ne sais pas. Ça peut parler par rapport à une personne. Pour voir ce que ça va donner. Ce que ça va engendrer. Et vous êtes satisfait de ça. Hein. Pour certains, vous êtes satisfait. Mais on va voir ce qui arrive à vous du coup après. D'accord ? Donc ça sera différentes situations. Je vois différentes situations là. Mais en tout cas, c'est la même énergie. C'est on arrête quelque chose, on stoppe ou on met sur pause. Alors, on va regarder du coup. Énergie actuelle pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, il y en a beaucoup trop. Énergie, choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Une carte retournée, s'il vous plaît. Alors là, on a une carte retournée. On a, désolé pour le bruit, décidément, mes voisins, ils décident toujours de gueuler quand je fais mes vidéos. Alors, on a le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Ouh là là, les amis. Et en dos de deck, on a le changement. Donc, il y a un gros changement. Alors, pour certaines personnes ici, j'ai l'impression que vous avez stoppé quelque chose parce qu'on attendait quelque chose de vous que vous ne vouliez pas. Ou... on attend de vous que vous rentriez dans un rôle qui ne vous convient pas. Que vous fassiez des choses qui ne sont pas en accord avec vous. Qui ne vont pas avec votre cœur, qui ne parlent pas à votre cœur, tout simplement. Vous ne voulez plus porter de costume. Vous voulez être vous, ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a des transformations, là. On attendait peut-être de vous quelque chose en particulier et vous ne l'acceptez pas. C'est pour ça que vous avez pour certains posé des limites ici ou stoppé la situation. Ou vous aviez eu la sensation de ça, que vous deviez jouer un rôle en fait. Et ce rôle en fait, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez envie de grandir, vous avez envie d'avoir du sens dans votre vie. Que quelque chose ait du sens pour vous. Et vous ne voulez plus porter des chaussures qui ne sont pas vos chaussures à vous. D'accord ? Vous voulez être à l'aise dans vos bottes. C'est ce que j'entends. Vous voulez être droit dans vos bottes. C'est ça. Droit dans vos bottes, les amis. Alors, le chien s'y met aussi. C'est parfait. Donc ici, vous êtes replié ou vous avez mis un stop ici ou une pause. Pour ne plus vous sentir à l'étroit, pour être libre en fin de compte, pour retrouver votre liberté, mais d'abord votre liberté intérieure, parce que ça passe par un dépouillement. Ça vous a permis aussi de vous remettre en question quelque part, et à vous dire, est-ce que ici je suivais un chemin qui était véritablement le mien ? Est-ce que j'essayais encore de plaire aux autres ou de plaire à quelqu'un. Donc en fait ici il y a une remise en question profonde. Et c'est peut-être une personne qui vous a fait réagir, mais au fond c'est parce que peut-être que vous vous oubliez quelque part. Ou vous avez autorisé des choses que vous n'autorisez plus maintenant. Ça évoque un changement, une prise de décision profonde, mais qui passe par une remise en question et
On vous dit surtout de ne pas vous braquer, c'est ce que j'entends. Le but, c'est pas de vous braquer, de pas devenir rigide ou de vous mettre en colère, mais c'est de vous remettre en question et de vous dire, mais dans cette situation, est-ce que je me suis écoutée? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai mis mon cœur de côté, qui a voulu porter un costume pour plaire ou pour être aimé, pour ne pas être jugé, pour rentrer dans... pour être en sécurité quelque part. Mais au fond, cette sécurité n'est plus une sécurité. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de moi. Je sens quelque chose comme ça, voyez les amis. Parce que ce costume que vous portiez, peut-être que vous portiez un costume ou un masque, hein, ici on parle de costume, mais on peut aussi parler de masque, qui devient trop lourd à porter. Parce que c'est pas vous. Et que peut-être on vous invite justement à être vous totalement. Et que ça passe par une période de maturation, on va dire. Pour trouver les réponses à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vois ici quelque chose qui est en train de mûrir. Peut-être aussi que cette mise à l'écart ou le fait que vous ayez, vous soyez dans cette position vous amène à, comment dire, à regarder plus profondément en vous et à vous poser les bonnes questions. Ouais. On vous dit aussi de faire attention de ne pas mettre la faute tout sur l'autre personne. Que cette situation doit vous permettre à vous de vous libérer, pas de rentrer encore dans un conflit intérieur. Donc vous voulez retrouver la paix, donc ça ne sert à rien de dire que c'est l'autre qui est le fautif, c'est ce que j'entends, ou la situation en face de vous qui est la fautive, parce que ça ne va pas vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer d'un poids que peut-être vous êtes mis sur les épaules, ou mais il n'y a pas besoin de vous en vouloir, d'accord, c'est pas le fait, c'est le but, c'est pas de vous juger, on vous juge pas, ni vous d'ailleurs de vous juger, mais de regarder ce qui ne vous convient plus dans votre vie et de vous en dépouiller. Parce qu'au fond, ce costume, c'est pas vous. Ce masque, c'est pas vous. Ce que vous êtes obligé peut-être à faire, c'est pas vous. Peut-être que, voilà, il y a des conditionnements. Peut-être que vous avez toujours fonctionné comme ça, mais qu'aujourd'hui, en fait... Ouais, il y a le repos qui est tombé, vous voyez. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, ça ne vous convient plus. Et que vous avez une situation en face de vous qui vous le met en évidence. Ici, on a encore le repos. Que l'on est bien blotti au creux de tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien, bien sans songer à demain. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer. D'autres, c'est vraiment... Il y a deux catégories ici. D'autres personnes, c'est vraiment... de vous libérer de votre mental ici, parce qu'on est, il ne faut pas oublier qu'on est dans les quatre des épées. Les épées, c'est le mental en fait, hein. Donc ici, vous avez besoin de repos pour sortir de votre mental. Parce que je vois ici que des gens se projettent vers l'avenir. Et le fait de se projeter en fait vous a fatigué ou vous a stoppé. Alors qu'on vous ramène au moment présent. Et c'est pour ça que vous vivez ce repos là. Pour que vous vous sentiez bien avec vous-même aussi. Peut-être que vous attendiez quelque chose de quelqu'un ou d'une situation et en fait vous vous êtes rendu compte que c'était à vous de vous l'apporter d'abord, tout simplement. Avant de l'attendre de quelqu'un d'autre, ça peut parler aussi. Donc il y a plusieurs situations ici. Mais au fond, ça se rejoint quand même parce que peut-être que vous avez porté un masque aussi ou pendant un moment où vous avez peut-être essayé de vous oublier vous, de concilier des choses et en fait c'est pas bon. Donc quoi qu'il se passe, ça va vous permettre de vous retrouver.
mes amis. Et peut-être que c'est inconfortable, ça c'est sûr. Que ce soit confortable ou inconfortable, ça revient au même. Mais si c'est inconfortable, on vous dit de ne pas rentrer dans des énergies de colère ou de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre ou une situation extérieure. Sinon, c'est tout simplement du repos que vous vous accordez parce que vous avez trop donné dans une situation et que vous en avez marre. Voilà, tout simplement. Et que vous n'avez plus envie de réfléchir. Voilà. Vous avez envie de mettre votre cerveau en stand-by. C'est-à-dire, je me reconnecte au moment présent et j'arrête de me projeter, j'arrête de faire des suppositions. Je reviens à moi, je me recentre ici. Et je me dépouille de toutes les énergies négatives et les pensées limitantes. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, les amis. On va regarder ici avec les cartes positives de Sandra. Encore l'énergie. Et après, on regardera ce qui arrive vers vous. Alors, je respire profondément. Non, mais franchement, si c'est pas concordant, les amis, c'est pas concordant. Je respire profondément. Je respire profondément. Et je suis reconnaissant, reconnaissante d'être en vie. On vous demande de souffler là. Vous avez besoin de souffler, de respirer, de méditer. Et de vraiment vous reconnecter à la gratitude. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrez valeur à vos valeurs, à vous. Parce qu'au fond, c'est ça qui est important. On me dit, c'est ça qui est le plus important. Ce sont vos valeurs à vous. Ce qui vous fait du bien au moment présent. Pas plus tard. Et pas plus tard. Ou c'est pas le passé, en fait, qui vous met dans cet état. Revenez au moment présent ici. Revenez dans la pleine conscience. Ne vous laissez pas déborder par des énergies du passé ou des projections dans le futur. Là, on vous fait vraiment vous reconnecter à vous-même. Assez profondément. Je vous l'ai dit ici, dans vos racines profondes, pour certains. Bon, peut-être que pour certains, vous allez faire comment on appelle, une randonnée ou vous allez vous isoler dans la nature aussi. On vous dit que la nature vous ferait du bien aussi. Hein. Vous reconnecter à la nature va vous faire le plus grand bien. Parce que c'est là où vous allez avoir des réponses. C'est en vous déconnectant des énergies que vous connaissez, en vous reconnectant aux énergies de la nature pour trouver votre propre rythme ici. Parce que je sens qu'il y a eu peut-être, vous êtes pour certains laissés embarquer dans quelque chose et vous avez besoin de ralentir, ralentir, ralentir et vous retrouver. Retrouver la paix intérieure. La nature vous donnera des réponses. La méditation aussi vous donnera des réponses. Méditer, c'est, on peut méditer de différentes manières. Hein. Voyez, vous pouvez vous promener dans la nature, observer les oiseaux, c'est de la méditation. Prendre une toile blanche, peindre et vous laisser porter par vos... Par rien du tout, par vos pensées, rien, y a rien. Vous laissez porter, c'est de la méditation. Écouter de la musique et respirer profondément, c'est de la méditation. C'est vraiment se connecter à soi. C'est ça que vous avez besoin. Peut-être aussi que pour certains, vous avez eu un besoin de repos, de mettre un stop à quelqu'un parce que cette personne portait un masque et que vous en aviez marre. Voilà. Et que ça vous faisait péter les plombs, pour certains. Ça vous a fait péter les plombs, mes amis. Parce que cette personne en face de vous, ces personnes portaient des masques, portent un masque et ça vous gonfle profondément. Ça vous a mis en colère. Ça, vous avez voulu travailler peut-être avec cette personne, vous avez voulu lui donner des clés pour avancer, mais vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas à vous de le faire. Vous avez donné certaines clés, maintenant il faut laisser mûrir les choses et prendre soin de vous. Et surtout,
Ouais, surtout prendre soin de vous, d'accord? Respirez profondément. Allez, on va regarder toujours avec le Everyday Enchantment. Justement, vers où vous vous dirigez, les amis? Maintenant. Non, plutôt ce qui arrive vers vous, pardon. Ce qui arrive vers vous. Après cette période-là. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, c'est les énergies vraiment récentes. Ce qui arrive vers vous. Ou c'est ce que vous allez vivre là maintenant. C'est vous qui voyez. Selon ce qui résonne avec vous. Alors, ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. Ouh, il y a trop. En plus, elles sont énormes ces cartes. Alors, on a le King of Wands. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, ce qui arrive vers vous. Voyons, 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 voyons ce que je ressens ici. Alors, je pense ici que après cette période, ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, même si vous ne savez pas où ça vous mène, mais vous allez être pris d'une énergie nouvelle. Ouais. Et j'entends, peu importe ici, même si vous ne voyez pas en fait ce qui se passe, vous, vous allez décider de... de vous diriger vers vos envies. Vers des choses qui vous font envie, qui vous font plaisir, qui vous font retrouver du plaisir ici. Je sens vraiment une énergie nouvelle. Et je vous dis, même si vous ne savez pas au fond où vous allez, mais vous y allez quand même. Il y a une passion là, il y a de la passion. Waouh, le chariot. Les amis, le chariot. C'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui se met en marche. C'est comme si vous allez vous en foutre royalement. Royalement. De la... J'entends la méthodologie. Vous allez vous en foutre de certaines choses. Il y a des choses qui ne vont plus du tout vous atteindre. Et vous allez... Il y a la chance ici avec la coccinelle. Il y a quelque chose qui se met en marche. De passionnant ici avec le roi de bâton. Alors, pour certaines personnes, si vous êtes... Il y a une personne en face de vous qui va arriver. Un peu ne sachant pas ce qui va se passer. Hein. Un peu à l'aveuglette, vers vous. Hein. On voit ici, cette énergie, elle vient vers vous. Donc, on a bien dit ce qui arrive vers vous. Donc, ici, il y a une personne qui vient vers vous. À fond les ballons, hein, ici. Qui va se lâcher. Hein, qui va se dire, bon, allez, j'y vais. Hein. J'y vais, c'est pas grave, je me bouge. Il y a une énergie qui se bouge. Cette personne en face de vous, elle a décidé de se bouger le cucu. Voilà. De se bouger le cucu et de mettre des choses en place. Si ça concerne une personne qui est en face de vous, ça peut résonner avec vous. Hein. D'accord? Peu importe que ce soit une énergie masculine ou féminine. Même si je vois ici... Parce que vous, entre-temps, vous gagnez une stabilité. Vous vous dépouillez de certaines choses et vous gagnez une stabilité. C'est pour ça que je sens que vous allez être content, content et fier de vous ici. Parce que malgré tout ce que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, vous trouvez votre stabilité. Ici, il y a une énergie qui vient vers vous avec beaucoup de passion, de rapidité, avec une envie de faire plein de choses, de partager. Ouais. Sinon, c'est un projet qui vient vers vous. Il y a quelque chose ici qu'on vous propose et qui va vous...
qui va vous ravir, hein, qui va vous faire retrouver du peps. Peut-être qu'il y a des amis ici qui vont venir vers vous, qui vont venir vous dire, allez, viens, on va faire ceci, on va faire cela, tu vas voir, c'est sympa, on va s'amuser, tu vas retrouver de l'énergie, etc., etc. Il y a peut-être des amis ici qui vont vous proposer des invitations, je sens, parce que j'entends le mot invitation. Ou de la famille qui vont vous dire, viens, on va partager des bons moments, ça va te faire du bien, ça va nous faire du bien également. Peut-être parce qu'ils vont vous voir que vous vous isolez ou que vous êtes... Même si ça vous fait du bien, hein, que ça vous fait du bien ou pas, ils vont voir que vous êtes isolé ou que vous avez besoin de calme, mais ils vont quand même vous proposer des choses ici. Je sens qu'il y a des personnes qui s'inquiètent pour vous. Qui s'inquiètent pour vous. Certains s'inquiètent pour vous. Ça peut parler à certaines personnes. Sinon, c'est vraiment une personne qui vient et qui vous propose quelque chose ici, une invitation, quelque chose, parce que cette personne vous voit en repos, ne rien faire, avoir complètement baissé les armes, baissé le... rien faire en fait. Vous avez dit stop. Donc du coup, ben, ça vient à vous. Même si, je répète, cette personne ou cette énergie ne sait pas où elle met les pieds. Hein. Il y a peut-être une énergie de peur derrière ou de ne pas savoir trop comment faire. Hein, parce qu'on voit cet homme, il est aveugle. Donc c'est peut-être une personne un peu aveuglée aussi, ou qui a été aveuglée, ou qui ne voit pas trop la situation que vous vivez en face de vous. Il y a peut-être une énergie comme ça aussi. Ou des personnes, hein, qui ne voient pas tellement ce que vous faites en fait, que ce que vous pensez, ce que... Ouais. Ou alors, c'est vraiment des personnes qui voient que dans votre silence, dans votre repos, vous avez trouvé une certaine stabilité, vous sentez bien et tout. Donc, ils vont vous proposer des activités, je vois ici. Sport, détente, je ne sais pas. Si ce n'est pas des amis ou une personne en particulier, ça concerne un projet là. Je vois des personnes avec des cravates et des mallettes. C'est bizarre. Ça peut vous parler. En fait, c'est comme si vous laissiez... Ouais, il y a encore cette histoire de costume ici. Vous voyez, parce que sur cette carte, on voit des personnages en fond qui marchent en costume. C'est comme si vous laissiez derrière vous cette image de quelqu'un qui est... cadré, structuré, comment dire, avec une certaine façon de faire, et vous laissez un petit peu cette façon de faire. On a vu que vous vous dépouillez de plein de choses là. Donc du coup, il y a une nouvelle énergie qui vient vers vous, et vous allez vous laisser aller à des nouvelles activités, de nouvelles choses en fait. Hein. Et ici, on a la c'est quoi ici? L'abeille, la guêpe, l'abeille, qui est symbole d'abondance. Il y a la chance ici avec la coccinelle, le pissenlit. Il y a peut-être un vœu réalisé ici parce qu'il y a un pissenlit. Quand on souffle sur un pissenlit, on fait un vœu. Donc j'ai l'impression qu'il y a un vœu qui va se réaliser pour vous ici. Le fait d'avoir fait ça, ça va porter ses fruits, on me dit, hein. Si ça résonne avec vous, les amis. Il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Vous avez changé d'attitude, en fait, on me dit. Vous avez changé d'attitude. Et le fait d'avoir changé d'attitude avec une personne ou une situation va changer la donne. C'est ce que j'entends. Ou le fait de comment dire... Ouais, vous ne portez plus ce costume ou ce masque. Ou c'est quelqu'un en face de vous qui ne le porte plus et qui va venir, en fait, assez rapidement. Les masques tombent, hein, n'oubliez pas. Les masques tombent, on me dit. Vous prenez les choses avec un peu plus de légèreté et d'enthousiasme. Même si vous ne savez pas où vous allez.
peut-être qui arrive vers vous, c'est une proposition, vous ne savez pas trop, mais en tout cas, l'énergie que vous avez, c'est, mais je sais que je veux quelque chose de nouveau. Je veux prendre du plaisir. Ce que je sais, c'est que je veux du fun dans ma vie. Je veux une nouvelle énergie. C'est ça. C'est je veux, j'entends, je veux maintenant ça. Je veux mettre en place des choses. Ce qui arrive vers vous. Nouvelle énergie, les amis. Alors, il y a trop de cartes qui arrivent vers vous. Une troisième carte, s'il vous plaît. Alors, le 2 de denier. Le 2 de denier. Ok. Alors, pour certaines personnes, vous jonglez entre plusieurs activités. Peut-être deux personnes ici. Parce qu'on voit là, deux personnes, peut-être qui sont en froid. Hein. On voit au milieu ici. Peut-être qu'il y a une réconciliation ici qui arrive. C'est probable, si ça résonne avec vous. L'univers va faire en sorte que vous vous réconciliez avec une personne ici. C'est possible hein, que ça concerne une personne en face de vous avec qui vous avez eu un conflit, vous n'étiez pas d'accord en fait. Vous aviez deux opinions différentes. C'est possible. Et qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Que vous, maintenant, vous savez ce que vous voulez. C'est possible aussi que vous jongliez entre plusieurs situations, que ça vous a fatigué. Au travail, avec une personne, des personnes, vous jonglez entre des situations et vous en aviez marre. C'est possible. Et que vous aviez besoin de guérir d'un temps de pause, tempérance, c'est-à-dire de modérer quelque chose, de réguler quelque chose, de trouver un équilibre ici. Cet équilibre-là. Donc ici, ce qui arrive vers vous, c'est un équilibre. Je prends cette carte très positivement, les amis. Mais je pense aussi que il y avait quelque chose ici à comprendre sur le fait de jongler. Peut-être que c'est une personne ici en face de vous qui jonglait, qui ne savait pas trop où aller, qui ne se décidait pas, qui portait un masque. Et vous, vous en avez eu marre et vous avez dit stop, ça j'en veux pas. Et que ça fait réagir ici, les énergies elles circulent et ça fait circuler l'énergie, hein. Ça fait bouger les choses. Il y a quand même la tempérance que je vais mettre ici pour regarder. Il y a peut-être quelque chose qui vous a mis en conflit, hein. C'est possible les amis là. J'ai l'impression qu'il y a... On va essayer de vous réconcilier ou il y a quelque chose qui va tempérer les choses entre vous et une personne, vous et une situation. Parce qu'il y a besoin ici de trouver un équilibre. Il y avait un déséquilibre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez dit stop. Ça concerne peut-être une activité... Vous exerciez plusieurs professions pour joindre les deux bouts, mais vous étiez fatigué. Ça peut... Et du coup, vous avez dit stop. Vous avez mis le haut là, j'entends. Ouais. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est du plaisir. C'est retrouver du plaisir, mais que ce soit équilibré surtout, j'entends. Qu'il y ait un équilibre entre les deux parties ou un équilibre dans votre vie. Vous pensez à vous, tout simplement. Soit c'est vous qui jonglez entre plusieurs situations, soit c'est une personne en face de vous qui jonglez avec plusieurs situations. Et ça ne vous a pas plu. Donc vous avez mis peut-être un ultimatum à cette personne, vous lui avez coupé l'accès, vous avez coupé, je ne sais pas, vous l'avez peut-être bloqué, j'en sais rien, parce que cette personne, elle ne voit plus rien, quoi. Elle ne voit absolument plus rien. Ou c'est cette personne qui vous a bloqué. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous pouvez intervertir. Qui vous a bloqué. Et du coup, vous n'y voyez plus rien. Et vous aviez besoin de trouver un équilibre là-dedans. Voilà. Écoutez ce qui vous parle, les amis.
Allez, on va regarder ici le 4 d'épée. Mais en tout cas, il y avait besoin de tempérer. Alors, ici, on a la carte Mintaka. Mintaka. Alors, je regarde un petit peu pour voir si ça coupe pas, les amis, parce que des fois, il me coupe. Ça me coupe le... Alors, ici, on a quoi ? Il y a une personne qui est nostalgique ici. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui est nostalgique, qui repense au passé, qui a besoin de réfléchir sur quelque chose ici, lié au passé aussi, probablement. J'en perds ma voix. Ici, il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, ou il y a quelque chose qui a du mal à... avec la communication ici. Il y a peut-être qu'il y avait quelque chose à se dépouiller par rapport au passé. D'où ce repos ici. Ce stop. Comme vous voulez. C'est possible qu'il y a un... ou une nostalgie liée au passé. Dont vous deviez en fait vous dépouiller. Là. Aller au fin fond de vous pour travailler sur ça. On va regarder le King of Wands. Le King of Wands pour le choix numéro 2. King of Wands. On me dit qu'il y a des énergies de l'autre tirage. Allez. King of Wands. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Oui, c'est ça, vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous avez traversé où vous ne voyez rien, en fait. Vous étiez peut-être dans le flou. C'est pour ça que vous avez dit stop à une situation, parce que c'était trop flou pour vous. Ou ça a été un rite initiatique ici, pour que vous trouviez une stabilité et que vous retrouviez du plaisir dans quelque chose. Que vous vous écoutiez et que vous... Ouais, j'entends vraiment retrouver du plaisir . Donc il y a peut-être eu des désaccords ici, hein, je sens, avec quelqu'un ou des personnes ici. Vous avez traversé peut-être une période pas facile, et c'est peut-être la personne en face de vous ici, le King of Wands, qui ne voit pas grand chose, et ce silence que vous lui avez mis, si c'est vous, lui a permis ici de sortir de son tunnel, là, de sa grotte, j'attends, de sa grotte en fait, de ses peurs aussi, de ces troubles. Il y avait des troubles ici, hein. Donc c'est peut-être cette personne en face de vous. Ou c'est vous qui en sortez de ces troubles. C'est vous qui voyez, les amis. Donc, mais ce qui arrive vers vous, c'est que ici, on sort de cette grotte, on va vers l'avant, même si on ne sait pas où on y va. Et on a une nouvelle énergie. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut trouver un équilibre et qu'on veut aller vers le plaisir. Se faire plaisir. C'est ce que j'entends. Le chariot. Alors, le chariot, partagez votre voix. Waouh. L'ami, partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Tiens donc. Je vous l'ai dit à l'instant. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui avait du mal à parler là. Donc soit c'est vous ici qui avez besoin de ce repos, de ce stop pour vivre cette initiation, ce rite de passage, même si vous ne voyez pas grand chose au final, d'accord. Mais ici on a le chariot, donc un élan, on fonce en fait, on sort de sa grotte, on fonce
et on va s'exprimer. Il y a vraiment une nouvelle énergie, hein. Il y a peut-être aussi, ouais, l'expression, on va parler, on va s'exprimer, on va dire les choses. On y va. C'est vraiment une énergie de j'y vais, je fais. Ouais, regardez, le grand saut, j'y vais, je fonce, je saute. Peu importe ce qui se passe. Donc soit c'est vous, je répète, soit c'est une personne en face de vous et vous saurez si ça vous parle, les amis. Mais il y a quelqu'un qui va parler, qui va s'exprimer, qui va oser, j'entends, oser parler, oser. Oser aller de l'avant, oser faire le grand saut. Alors, le Two of Coins. C'est tout simplement vous qui décidez, waouh, rien de trop, qui décidez, après avoir traversé un rite initiatique ici, qui vous a renforcé, hein, d'accord? Parce que même si vous ne voyez pas très clair, ça vous a renforcé. Et qui décide de vivre quelque chose de nouveau, quoi. Mais c'est puissant, hein, d'art énergie, parce qu'entre le roi de bâton et le chariot, c'est quand même assez rapide. Ça va arriver d'un coup. C'est comme une décision, je prends cette décision maintenant, c'est comme ça. J'y vais. Alors, le Two of Coins. Two of Coins. Une carte retournée, s'il vous plaît. Alors, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, gardien, ça me fait penser que vous êtes le gardien de votre équilibre. Vous avez voulu maintenir votre équilibre. Vous voulez maintenir votre équilibre. Vous ne laissez plus personne perturber votre équilibre. C'est très important pour vous. Regardez la protection. Vous avez compris que votre équilibre, c'était le plus important. Et vous ne laissez peut-être plus personne ici perturber cet équilibre. Et que quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, paf, vous dites stop. Vous vous isolez ou vous retrouvez votre équilibre. C'est peut-être un lien avec le passé. Et même couper les liens, parce que la carte couper les liens est sortie. Jusqu'à couper le lien si ça vous gonfle, quoi. Hein? Guérison, réécrire le futur. Ouais, maintenant, dorénavant, vous voulez réécrire le futur, mais dans l'équilibre. Vous ne voulez plus. Ici, il y a une guérison profonde. Et s'il faut couper des liens, il faut couper des liens. C'est pas grave. Vous l'assumez. Alors, la tempérance. La tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la tempérance ? Qui est super positif. Protection, aligner votre vie. Alors, encore une histoire de couper les liens et de se diriger vers ce qui vous convient le plus et vers qui vous êtes vraiment, de vous réaligner à vous-même ici. Donc, vous n'accepterez cette réconciliation parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous essayer de se réconcilier. Donc, il va y avoir peut-être des discussions ici, si ça vous parle, où il y a une situation qui peut se rétablir, mais que si vous, vous avez décidé que c'était bon pour vous et que vous restez aligné avec vous et que votre équilibre n'en pâtisse pas, parce que maintenant, vous vous protégez. Vous avez appris. Donc, maintenant, c'est je regarde si cette situation me convient, si... je dois couper avec cette personne ou si elle est bonne pour moi et je peux lui faire confiance. Je peux surtout me faire confiance et m'aligner à mes propres besoins. Est-ce que ça correspond à ce que je veux, ce que je souhaite? Voilà. Donc, c'est possible qu'il y aurait une réconciliation avec une personne ou quelque chose qui va se rétablir, mais c'est vous au final qui allez prendre la décision. C'est ce que j'entends. Et quoi qu'il en soit, vous ne prendrez pas de décision si ça va à l'encontre de votre équilibre. Vous ne portez plus de costume, vous ne prenez plus un rôle qui n'est pas le vôtre. Voilà ce que je vous dirai, les amis. Alors,
ce qui arrive vers vous. On va revoir ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée. On a la vision. La vision. Vous vous êtes isolé ici pour avoir une vision d'ensemble, pour changer de regard aussi sur la, sur vous et la situation. Ouais, et j'entends aussi par rapport au passé. Vous aviez besoin ici de changer de regard. Alors, le King of Kings of Wands. King of Wands. Alors, King of Wands. Le flow, le timing. Donc, on me dit c'est une question de temps ici. Une question de timing. D'aller dans le flow de la vie, de lâcher prise. Mais surtout, j'entends, c'est une question de timing, les amis. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a quelqu'un ici qui va vous demander pardon. Je vous ai dit, on parle de réconciliation. Mais vous, vous allez écouter vos propres besoins. Mais il y a quelqu'un peut-être qui va vous demander pardon, ou venir se vous demander pardon, ouais. Quelque chose comme ça. Ou vous, vous allez vous pardonner vous-même pour quelque chose ici. Après une période de rite initiatique. Alors, le chariot. Le chariot. Alors. Alors ici, il y a une blessure qui guérit ici. Vous allez vous exprimer. Vous allez faire le grand saut. Il y a une blessure qui est en train de guérir, les amis, ici. La blessure. Alors, l'un, le 2, 2 deniers. Le 2 de deniers. Oui, c'est ça, inconfort. Il y avait quelque chose qui était inconfortable, on jonglait. Il y avait une situation inconfortable auquel vous avez dit stop. Ou en face de vous, quelqu'un a dit stop. Voilà, vous allez savoir. Mais cette situation ne pouvait plus durer. Jongler entre plusieurs choses, c'était plus possible. On a le passé en dos de deck. D'accord? Et ici, la tempérance, qu'est-ce qu'on nous dit? La tempérance. La bienveillance. Donc, il y a quelque chose qui va se rétablir ici. Ouais. Il y a quand même la bienveillance, donc avec la tempérance, réconciliation, tout ça, il y a quand même de bonnes énergies au final qui vont arriver, les amis. Et vous, vous allez retrouver votre sécurité, vous allez être ancré. Donc ça dépendra de vous, ça dépendra de vous, c'est ce qu'on me dit, ça dépendra de vous. Allez les amis, on va nettoyer tout ça, on va regarder quelques cartes en plus. On va laisser, hop, on va laisser cela. Alors, ce qui arrive à vous. Je vais regarder si la luminosité est bonne. Est-ce qu'on y voit encore? Oui, on y voit. C'est parfait. Alors, les bourgeons de la réussite. Waouh! Il y avait bien une situation, peut-être un effet miroir avec quelqu'un. Les amis, ça ne m'étonnerait pas. Il y a encore des discussions ici. Il y a des discussions, une communication. Exprimez-vous librement, dites la vérité. Il y a quelqu'un qui va dire la vérité là. Soit c'est vous, soit c'est les deux, soit il y a une situation où il va y avoir de la communication. Et puis surtout, il y a eu un effet miroir, des effets miroirs ici, pour que vous découvriez des choses sur vous. Et on vous dit que votre persévérance sera gratifiée. C'est déjà le principal. C'est que ce que vous avez mis en place, ce que vous avez compris, va porter ses fruits.
Waouh, cercle de guérison qui a voulu sortir et le gouffre de la vulnérabilité. Donc il y a peut-être une situation qui vous avait fait sentir vulnérable et c'est pour ça que vous avez voulu couper. Ou c'est une personne en face de vous ici qui, et vous avez une très bonne intuition, qui s'est sentie vulnérable et qui a voulu couper. C'est peut-être possible, mais en tout cas ça apporte la guérison. Il y a une situation ici qui était peut-être inconfortable, qui a fait sortir des blessures. Mais vous voyez, il y a encore cette idée de se délester du passé ici, ou une blessure liée au passé. Donc c'est peut-être cette personne en face de vous aussi qui laisse qui va guérir cette blessure du passé, qui a empêché peut-être cette relation. C'est possible. Ou c'est vous qui allez vous délester d'une blessure du passé. Ouais. Et c'est grâce à cette persévérance que vous allez réussir. Alors, ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. On a l'action, mais c'est les énergies du tirage précédent. Alors, ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. Alors là, il y en a beaucoup trop. Une carte retournée, s'il vous plaît. Ce qui arrive vers vous. Alors, la coupe. La carte 44. Le 8. La coupe. J'entends pour certaines personnes que la coupe était pleine, d'accord? La coupe était pleine et elle avait besoin d'être vidée pour être re-remplie par de belles énergies. Et il fallait arrêter quelque chose, que ce soit en soi ou avec une personne en face. Mais il y avait besoin de stopper pour vider la coupe, des émotions peut-être, hein, qui sont remontés à la surface ici, où on s'est senti vulnérable. Il y avait quelque chose à vider. On parle d'emprise, de patience ici, de choix et de but. Donc ici, peut-être que vous êtes libéré d'une emprise. L'emprise, ça peut être une personne négative, mais ça peut être aussi vos peurs, être prisonnier de vos peurs, de vos doutes à vous. Et on vous dit que la patience ici et le fait que vous allez faire un choix va vous mener vers un but précis. Ouais. Mais c'est surtout vider la coupe pour remplir la coupe de nouvelles choses. C'est vraiment ce que j'entends avec cette carte de la coupe ici, les amis. Alors. Ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. Alors, on va brasser encore un. Ce qui arrive vers vous. Il y a une compréhension d'apprentissage de toute façon. Ouais, les peurs à l'envers. Il y avait besoin de sortir aussi peut-être de ces peurs. Comme il y avait une relation en effet miroir, je ne sais pas trop. C'est peut-être vous, l'autre personne, enfin, ou les deux. Si ça concerne une relation, si ça concerne un partenariat, une personne de votre famille, un ami, une amie, peu importe ici. Une situation qui vous a poussé à vider la coupe ici. Et à sortir de vos peurs, de vos blocages. L'emprise, peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et de retrouver votre force et votre courage. D'accord? C'est ça en fait. Et retrouver la santé ici. Il y a la santé. Ça part de vous, j'entends. C'est vous qui décidez. C'est ça le truc. C'est vous qui décidez, les amis. Ce qui arrive vers vous. Choix numéro 2.
carte retournée qui arrive vers vous. Il y avait un trou plein de quelque chose. Et ce qui arrive à vous, c'est une guérison et une réussite. Un nouveau départ. Ah, ça y est, enfin. Alors, on a quoi? La traversée. Waouh. Alors, on a la carte la traversée. Et j'espère que ça zoome et que je ne fais pas ça pour rien, les amis. Je regarderai. Alors, la traversée qui dit, c'est la carte 12. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. J'ai l'impression que vous êtes venu trouver à l'intérieur de vous les ressources nécessaires et pour vous écouter un petit peu plus ici. Et du coup, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive vers vous parce que vous avez changé de vibration aussi. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Alors, ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. Alors, deux cartes, il n'y en a pas. Ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. Non. Il y en a trop. Choix numéro 2. Hein. Numéro 2. Alors, il y en a toujours deux. Je vais aller la chercher. Oh, dis donc. Vous savez quoi? Je vais aller la chercher. Elle met plus de temps à arriver, celle-là, ce qui arrive vers vous. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais ça va arriver. Qu'est-ce qui va mettre du temps et qui va arriver ici? Choix numéro 2. Alors, on a rire et s'amuser, sourire, énergie positive, joie. On l'a vu, la joie. Ici, ce qui arrive vers vous, c'est des moments de bonheur, de partage, de joie, d'énergie positive, une énergie positive retrouvée. Peut-être des moments partagés. D'accord, des moments partagés avec des personnes autour de vous, des amis, une personne en particulier, mais vous allez retrouver le sourire ici. Les amis, ça c'est top. Allez, on finit par une carte de méditation et affirmation. Et après, je vous laisse. Ce qui arrive vers vous. Il faudrait qu'elle saute, s'il vous plaît. Ce qui arrive vers vous. Désolée pour le bruit. Là, super. Alors, on vous dit, je suis à la hauteur, je suis destinée à réussir. On l'a vu, la réussite. Je suis à la hauteur, je suis destinée à réussir. Ayez confiance en vous, les amis. On vous dit, toute l'existence de l'âme dépend de la certitude qu'elle se suffit à elle-même, puisqu'elle est complète. Rien ne peut exister en dehors d'elle. Ce que j'entends ici aussi, c'est que vous ne laissez plus votre complétude, le fait d'être complet, dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous devez être complet vous-même et vous l'avez compris. Le reste, c'est du bonus. Une relation, c'est du bonus. En plus, c'est du bonus. Mais vous, vous devez vous sentir bien avec vous. C'est ça que je ressens. Et retrouver le sourire et être bien avec vous-même. Voilà les amis. J'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, à vous abonner et à partager. Et merci d'être là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.